Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Darkangel1462, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc pour la quatrième partie de ce Luigi's Mansion. Donc on s'était laissé après avoir fouillé l'étage et malheureusement on n'a pas fini. Et j'allais dire, il me faut des cœurs. On va reprendre quelques cœurs et puis on va aller dans le coin. L'esprit, es-tu là? Je vais pas me donner de cœur le jeu. Alors on y va. Ah, un cœur. J'ai l'impression que c'est les vases et les lumières. Donc là on y était allé. Oui, je suis con, là j'y suis depuis le début. C'est à droite. Donc pour moi, à mon avis, il y a un truc à faire en haut. C'est obligé. Wow, wow. Couché, ça doit être. Bon. Ce coffre-là, ça y m'intrigue aussi, ce coffre. On peut le prendre, c'est obligé. Là. Il y a de la glace. Il y a de la glace, donc ça voudrait dire que ce serait... avec la médaille de glace. Et puis c'est bizarre qu'il n'y a rien dans cette pièce quand même. Ah ah ah. Merci, je prends le cœur. Oh mais ah, j'avais pas vu au sol. Ah, il y avait un logo. Attendez. J'ai trouvé la réponse. Bon, c'est bon, j'ai la réponse à mes questions. Ah, ok, oui, d'accord. Oh, je me souvenais plus du tout de ça. Ah, bah. Quel con. C'est la médaille de glace. Ah, bon, c'est bon, je suis débloqué. Oui, on sait, c'est catastrophe. On va le sait, c'est médaille de glace. Les endroits gelés, tu les trouveras dans les frigos et autres endroits froids. Sortent de leur cachette quand quelqu'un s'approche, utilise elle pour cracher. Oui. Alors, attends. Attends. On va prendre de la glace. Bon, je devrais pouvoir aller dans la salle de bain. Il va être là-bas. Non. T'es là? Ah. Achoum. Allez. Ah, pas le champi poison. Ah non. Voilà. C'est bien, c'est bien. On progresse. Ah, une clé. Donc c'est une clé.
Voilà. Joli, joli, joli. Est-ce qu'elle porte ça? Oh, faut que j'en descende tout. Là, en face. Ah oui, la chambre de Nana. Non, mais elle, je suis sûr. Elle veut jouer. J'ai des balles. Que c'est ça en plus. Oh non. Là. Mais. Il y a de la physique, c'est quoi ces conneries? Vu qu'il y a de la physique dans ces jeux. Elle doit pas tirer. Il est con quoi. Ah. Oh non. Oh c'est bon, il m'a pas fallu grand chose, mais je l'avais fait ça la dernière fois. On est d'accord, je l'avais fait ça. Bon, on va pas comprendre là. Oh je débagne hein. Oh c'est pour l'instant celle qui gigote le plus hein. Oh là là. Rigole pas, mamie. Hein. Une autre clé. Oh, cool, j'ai deux salles. Et celle-là, c'est. Ah, ok. Je vois où c'est. On va commencer par celle-là. Ah. J'ai joué bien bon tour à Mademoiselle Pétunia aujourd'hui. Elle a sauté dans la baignoire. Après, je l'ai remplie de glace. Oui. Elle a pris une bonne douche. Bien chaud, elle était en forme. Ok. Non. Bolchevique, tu es un bolchevique. Voilà. Ah. Tu as vu des fantômes plus petits que les boules, non? Je suppose que certains qu'ils proviennent des toiles de Van Gogh, l'artiste fantôme. J'ai eu tout un tas de problèmes la première fois que je les ai capturés. Je sais que les artistes veulent donner vie à leur toile, mais ce type crée des fantômes chaque fois qu'il prend un pinceau. Envoie-moi le bout et toutes les données que tu possèdes. Ouais, il y avait d'autres fantômes qui s'y racontent, je me souviens pas. 18. Ah, attendez, où suis-je? Donc là. Là, j'ai plus rien à faire à cet étage. Oui, il y a la salle avec la salle astrale, donc ça a été fait. Donc là, je suis tranquille. Cœur, 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 petit cœur, viens avec moi. Ah, des pièces, je prends. On n'est pas contre les petites économies. Bon.
Je peux aller là, mais je pense que je vais faire l'autre d'abord. Elle est plus petite la pièce. Je préfère. Ah, des cœurs. Ah, c'est ça, ils sont dans les vaches des cœurs. De taper. C'était où? C'était là. Hein. C'est la dernière pièce qu'on n'avait pas fait ici. C'est ça. C'est dégueulasse. Ah, c'est une chambre d'enfant. Chambre des jumeaux. Oh, punaise, c'est pas eux. Mais non! Attends. J'ai jeté un froid. Je jette un froid, les gars. Ils ont pas l'air d'être là, leurs jumeaux. Hein. Ah, on va respirer la fiche. Attendez. Non. Ouf. Un truc à faire avec ça. Oh. Qui, oh, ils sont méchants. Qu'est-ce que vous faites tout seul ici? Pourquoi tu jouerais pas avec nous à cache-cache, monsieur? Allez, vas-y, on va jouer. On se cache maintenant, on va attendre dehors. Ils me font peur, Mario. Ah, il y a des boîtes. Ah, attendez, ils sont dans des boîtes alors. Ah, attendez, attendez, ils sont quelle couleur? Ah, elles sont tous différentes, je pensais qu'elles étaient identiques. Y a une boîte qui a tremblé au froid. Ça tremble, ok, attendez. J'ai pas triché. Oh, ça y est, plus venir. Ah, ils ont des véhicules. Attends, attends. Oh, j'arrive pas à choper les deux comme ça d'un coup. Ils vont m'attaquer là tout de suite. J'essaie d'éviter le champi. Oh oui, j'ai évité le champi dans l'autre. Oh non. Je veux le choper. Viens là, sac à puce. Viens, je te lis. Allez, viens goûter l'aspirateur. Oh punaise. Oh, il a rompu. Aïe aïe aïe, il a pas voulu croiser les effluves. Punaise. C'est le salaud qui m'a foncé dessus.
s'est vomi dessus. Oh, 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 beaucoup d'aspi, fiston. C'est pas entendu pendant la séquence, là. Hein. Mais ils sont fatigants, ces fantômes. Bourris, comment vas-tu, mon ami Bourris? Oh, punaise, je vais le défoncer. C'est quoi? Ah, chaussure de Mario. Donc, ça nous fait 4 objets en tout, là, ça? Attendez, on a eu quoi? On a eu la casquette, la lettre, j'ai l'étoile à donner, et la chaussure. Il manque un objet, ou deux. Je crois qu'il va manquer un ou deux objets. Je suis con, moi, je veux l'éclairer, moi. C'est Bourris, roi de la glisse. Soirée disco. Oh putain, le con. C'est de ma faute. Donc, j'avoue, j'assume. Hein. Bah. Putain, dans la pièce à côté. Il est fatigant. Ah, il s'est caché là en plus. Il s'est caché le Bourris. Oui, je t'envoie tout, papy. 19. Je vais faire quoi? Ah si, je vais peut-être aller voir Madame Irma. De toute façon, il faut que j'aille au rez-de-chaussée. Donc, on est venu dans cette pièce pour un indice sur Mario. On va lui donner les étoiles et tout. Hein. Madame Irma. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La chaussure de Mario, la semelle est très usée. Comme s'il avait marché un millier de kilomètres. Ah, tu m'étonnes. Allez, les esprits, comme la dernière fois, on le laisse. Écoute, tu n'entends pas, c'est la douce voix de notre cher Mario, mon Dieu. Qu'est-ce donc un roi? Le roi Bou? Qui est ce roi Bou? Je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire. Attention, roi Bou. C'est ce qu'il veut te dire. Je vois un Bou couronné, c'est le roi Bou. C'est lui qui a capturé son frère. Je sais. Tiens, prends l'étoile. L'étoile, ça devrait fonctionner. Hein. Quelle étrange beauté. C'est de toute beauté. Certains ont peut-être la ref. C'est de toute beauté. Alors, ah, je l'entends, ton frère t'appelle, il a besoin de toi. Comment, le pouvoir des bouts? Tu veux nous parler de leur étrange pouvoir bout? Les bouts ont de bien étranges pouvoirs. Lorsqu'ils se rassemblent, leur pouvoir croît. Ils craignent le puissant ectoplast 3000. Oui, je le savais. Il me reste juste assez de pouvoir pour étudier l'un des objets perdus de ton frère. Ah, ces derniers, les forces faiblissent. Mes forces faiblissent, et bah tu seras aspiré comme un gros caca. Une fois que ce sera terminé. Donc du coup. Oh, vite, prends le cœur. De la santé, il me faut de la santé. Normalement, c'est tout droit et à gauche. Voilà. Alors, deux salles ici, apparemment. C'est quoi, c'est de l'art? Oh, punaise. Oh, je veux qu'il m'entraîne dedans.
Ah, jouons au billard. Oh punaise. Ah là tu l'as totalement buggé. Oh je l'ai. Oh, pour une fois j'en ai un. Oh putain il a des diamants en plus. Le Luigi en bas. Oh punaise, j'en ai tellement raté. Que je les aspire toutes. Ah, faut que je relance, elles sont bleues. Faut que je relance, elles sont bleues. Comme ça. Allez. Je chope toutes. Allez, à nous. Lâche pas le champi. Non. Oh, j'en ai marre. Oh que j'en ai marre, ce jeu c'est du caca. J'y arrive pas. Oh, mais t'as vu. Non, mais je l'ai vu, quelle boulette. Mais non. Moi, j'arrive pas. Oh, la vie. Oh, j'ai chaud. Oh, il était limite. Un diamant. Oh, le diamant. Bouteille de whisky. Je suis bouh. Eh ben c'est bien bouh. Ah, si elles sont géniales tes inventions mon gars, c'est magnifique. Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien, on n'est pas encore mort, mais je prends cher au niveau de la santé je trouve en ce moment. Un truc à faire là. Attendez, il y a des fléchettes. Oh le con.
c'est quoi, c'est une penderie, c'est quoi? Salle de ciné? Ah, c'est ça, salle de protection. Oh oui. Ah, 22. Oh, j'ai plus de vie. Oh, on va le relever. On va le relever. Non. Non. On va remettre le film. Hein. J'avais vu. Mais pourquoi il ne s'est pas attrapé? Mais quoi ce délire? Mais allez. Mais c'est dingue. Oh, j'en ai plus. Oh là là, j'ai plus de vie. Sérieusement. Allez. Oh, pas des fois je peux les attraper, des fois je peux pas. Au moins deux. Punaise. Je veux pas mourir sur scène. S'ils sont trop, par contre, je vais pas y arriver. En mode j'ai les pétoches. Mais non. Non. Il faut plus que je me fasse attraper ou je vais mourir. Là derrière. Il manque c'est le dernier. Non, non, chope mon liqueur d'abord. C'est déjà ça. Oh, j'ai trouvé le dernier objet. Le gant. Bon. Ah, c'est le bout que j'ai trouvé. C'est chambouin. Bonjour petit chambouin.
Bon, on va se prendre un bain. Le petit chat en bourrin. Alors, comme tu fais ménage dans la maison, tu ne pourrais pas t'occuper des plantes. Tu sais ce qu'elles aiment, non? Ah, donc ouais, c'est ça qu'il me disait, donc enfin que je disais la plante dehors. Finalement, il commence à être utile, ce petit catastrophe qui sert à rien. Je vais en profiter. Est-ce qu'on n'aurait pas du cœur quelque part? Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, Madame Irma. On va aller s'occuper d'elle tout de suite. C'était à cet étage-là ou pas? Oui. On va pouvoir l'attraper, je pense. Encore humide de la sueur des vivants. Allez, voilà, la caméra a changé. Allez, les esprits reviennent, je vois ton cher Mario. La scène est là devant moi. Qu'est-ce donc, Bowser? Comment est-ce possible, je vois l'hideuse forme de Bowser? Se trouve-t-il quelque part dans cette maison? Je n'y crois pas et pourtant, je croyais que Mario avait vaincu Bowser. Le roi Boo aurait-il ramené Bowser à la vie? Ce serait horrible, enfin, pour toi. Les esprits me quittent, mon pouvoir c'est la nuit, c'est tout ce que je peux te montrer, Luigi. C'était mes dernières forces, je peux tranquillement retourner dans mon tableau. Envoie-moi dedans, espèce d'aspirateur fou. Ah oui. Je peux rentrer en paix dans mon tableau, rien de tel qu'une bonne peinture à l'huile. Merci, mille merci, mon petit Luigi. Ne me résiste pas. Ne me résiste pas, tu m'as dit que tu voulais retourner. Parfait. Oh, une clé. Alors, vu que c'est optionnel, je pense que c'est une classe spéciale. C'est où? Ah, c'est le grenier. C'est le grenier, les gars. Salut, je suis Luigi, je veux dire Bougie. Ah, il a voulu faire une petite blague. Reviens. Espèce de sac à puce. J'ai capturé Bougie. Le problème de Toine de Van Gogh. Van Gogh, ah oui, d'accord, Gore. Parce qu'il est Gore. L'artiste fantôme, j'en ai vu un. Je l'ai capturé. Ah mais ça tu m'as déjà dit. Donc. Ah bah non, en fait, il fallait absolument faire Madame Irma pour progresser, parce que là, je suis bloqué sinon. Ah non, attendez, il y a une pièce que j'ai pas fait, on est d'accord? Attendez. Ah, quand j'ai la clé, ça me le dit. J'aille au grenier. C'était où? C'était par là, je crois. Ah non, c'est pas par là, je suis con. L'autre côté. Profitez. Ramassons quelques caissettes. Ah là là. Après, j'avoue, le 3, je l'ai pas encore fini. J'ai pas encore trouvé le temps de le finir.
Je l'ai, mais je l'ai pas encore fini. Et le 2, bah le 2, il est sorti sur 3DS. Alors, il va sortir prochainement sur Switch. Nintendo leur fait sur Switch. Parce que je sais que c'est là où Luigi trouve le chien fantôme, qui va devenir son ami. Mais après... Je sais que... Bah, enfin, moi, je l'ai parce que j'ai... Récemment, mon fils a une 3DS, donc... On lui a appris parce qu'il adore Luigi's Mansion. Et voilà. Oh, punaise! Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué à celui-là. Le 2. Mais je prendrai quand je le ferai sur Switch, hein, pourquoi pas. Ah. Ouh. Oh, la salle des trophées. Oh, là, les trois têtes, là, je sens qu'elles vont m'attaquer, ça me parle. La glace. Oh, mais j'en ai plus. Y a pas de la glace ou un truc dans le coin, là? Il y a pas de pièce à gauche. Oh. Bon, vite, faut que je trouve de la glace. Oh oui. C'est ce que je cherchais. Oh, 50 points de vie. Lui, ça veut dire qu'il faut de la glace, on est d'accord, hein. Putain, la glace, il n'y a qu'un endroit en plus dans ce niveau, je crois. Dans le jeu, même tout court. Ça pète mon aspi. Oh, c'est pas vrai. C'est affreux ceux-là. C'était là, hein. Ah, c'est ça. Voilà la petite glace. Voilà. Mais je crois que dans le jeu, en plus, il n'y avait qu'un seul point ou deux, pas plus, hein, pour la glace. Oh, t'abuses. On est d'accord, il faut que je me le fasse, hein. Vas-y, frappe. Quoi? Non, mais allez. Mais point de vie.
Elle est out là. Ah, fallait d'abord que je m'occupe de son cœur avant de pouvoir choper. Bah, je gagne rien. Ah si. Oh, mais j'ai pas assez de vie là, je vais mourir. Oh, l'avalanche! La violence surtout. Ah bien, faut d'abord qu'on fasse cela vite. Voilà. Pas de chance. Ouf. Ghostbusters. Alors, fouillons. C'est bon, on va pouvoir aller à la suite. J'ai bouche vendue. Il a 100 points de vie lui. Il rigole pas lui. Non mais t'es sérieux là. Une fois qu'il est monté. Chaud, hein. Il était chaud lui. Les fantômes autres que les bouts n'apparaîtront pas devant toi. Tu devras les surprendre, mais je parie que tu le savais, oui. Quand tu me dis des choses là, tu me sers plus à rien, ça y est. On va essayer d'avancer. Après tout, on a sauvegardé, donc ça va. Mario. Salle de froid. Oh, ça sent le boss. Oh, que ça sent le boss. Il y a les plantes là. Je les arrose. Oh putain. C'est notre tour donc. Ok, Bou, prenons notre véritable forme. Mais d'abord, fichons-lui un peu la trouille. Ah putain, ça va être le boss. Boss, boss, boss. Ah, de la glace. On va tout de suite les prendre. Et il va crier, il va crier, il va crier, il va crier. Oh punaise, il fait mal. Ah, t'es sérieux, 10 points de vie. Je vais mourir, je vais mourir. D'accord. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris le boss. Et puis, on va aspirer quand même, c'est pas grand chose, mais... Ok, j'ai trouvé, je me souviens. Bien.
Ça va peut-être le faire. Venez, petit fantôme. Il est moins gros, il va être plus rapide par contre. Allez, venez. J'inspirais ce que je peux. Oh non. Oh, j'ai plus de vie. Oh, il m'a eu. Oh non. Est-ce que je reprends où je pense? Oui. Ah, j'ai 36 points de vie quand même. Je récupère de la vie avant le boss. Même si j'ai compris comment le vaincre. Donnez-moi de la vie. Encore plus de vie. Toujours plus de vie. Pour en profiter, je vais la prendre la glace, moi. Je m'en fous de ça, je vais la lumière. Bien, allons-y. Mais pourquoi je me suis fait toucher? Mais non! C'est la putain de chauve-souris, là! Punaise! Et lui, là. Vas-y, t'as un problème, toi? Oh punaise. Oh, 46 quoi. Tu pourrais m'en donner un cœur? Ah oui. Ah oui. C'est bon, on peut y aller. Mario. Allons-y, on y retourne. Mario. Alors, on va passer à la cinématique, on va se les faire. Hein. Pas passé du tout.
Ma glace. On a déjà 4. 1, 2, 3, 4. Là, je suis là. Allez, viens, toi, nom de Dieu. Pas y arriver. Ils sont complexes à choper. Oh, j'ai eu un. Oh non! Faut que je laisse m'approcher en fait. Ah, j'y crois pas. J'arrive pas à les choper. Oui, putain. Allez. Putain. Oh, c'est compliqué. Hein. Non, j'avais. Je sens que ce boss il va être relou. Non, mais j'avais. Un, deux, non, un. Un, deux. Chaud, hein. Franchement, c'est pas facile. Mais c'est trop rapide. Il est où?
entre l'écran, il peut y avoir 3. Deux, un, c'est le dernier. Putain. Oh, je l'ai eu. Oh. Compliqué ces conneries. Ah, c'est pas fini? Ah si, genre sur une clé. Clé carreau. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Tu me reçois ou ce brouillard blanc avait interrompu ton signal? Mais tu as fait du bon boulot ici, ça oui, repasse au labo. Pour prendre l'apéro. Ah oui. Venez-en en appréciant ces magnifiques toiles. Une recette de famille très bonne, le ragoût de ragondin à la sauce diesel. Ah putain, un ragoût de ragondin à une sauce diesel. Allez, t'as fumé mon pote. Hein. Allez, t'as fait le plein, vidon. On a fini le chapitre. La zone 3, normalement, il ne reste plus qu'une. Zone 4. Alors, le bout. Ensuite, oui, je vois pas tous. Ah oui, le muscleur, là. Je sais plus. Ah, la dame qui prend son bain. Ah, les deux jumeaux. Et Madame Irma aussi. Alors allons-y. Alors Madame Clairvue, voilà. Nana. Ah oui, c'est Nana. Pétunia qui prenait sa douche. Jo Larnac. Je me souviens plus de Jo Larnac. Igor et Grishka, les jumeaux. Igor et Grishka. Boulossus. Le pognon. Voyons voir le pognon. Bon, je suis pas sûr d'avoir un grand pour l'instant là, c'est un truc de fou hein. Ouais, je suis pas assez riche hein. Nous sauvegardons les amis. Voilà les amis, on se laisse là pour la quatrième partie. Je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste une zone entière, mais attention, elle va être très longue, je pense. D'accord, tout le grenier, le sous-sol à faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, mettez la clochette des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye tout le monde et portez-vous bien.